Les deux grands congrès politiques aux États-Unis sont terminés. Donc, théoriquement, on doit donc se tourner vers du contenu. Oh, il faudra peut-être attendre un tout petit peu. Parce que là, les deux camps se disputent sur les règles du débat, notamment sur l'ouverture des micros quand l'autre parle. Alors, je me tourne tout de suite vers notre spécialiste en politique américaine, Valérie Beaudoin, pour nous expliquer tout ça. Bonjour, Valérie. Bonjour. Alors, effectivement, là, on est rendu... faut récapituler... Le premier débat Trump-Biden, les micros étaient fermés quand l'un et l'autre parlaient. Alors, on voulait, dans le camp Harris, reconduire cette formule-là. Mais là, c'est là que ça accroche. En fait, c'est que le camp Harris aimerait, au contraire, qu'on ait les micros ouverts. Pourquoi? Parce que, vous savez, Donald Trump peut être son pire ennemi. Et si Harris peut le piquer de la bonne façon, c'est ce qu'on peut imaginer que la campagne pense, bien, il pourra sortir de ses gonds et avoir l'air moins présidentiel que le 27 juin dernier. Parce que le 27 juin dernier, c'était le débat désastreux face à Biden. Trump était contrôlé, il était discipliné, justement, en raison de cette règle, entre autres. Et là, on veut changer les choses. Et le problème, c'est qu'on débat sur le débat. Je m'explique, c'est que le camp Trump dit « Non, non, nous, on veut garder les mêmes règles. On veut les micros fermés. Yeah, » ouais. Le candidat Trump, par contre, dit « Ah, ben non, moi, ça ne me dérange pas que les micros soient ouverts. » Alors, il y a un débat entre le candidat et sa propre campagne, ce qui fait de lui encore un peu... disons, le candidat, son pire ennemi dans les circonstances. Mais il réussit pas encore une fois à faire parler de lui, pas sur des questions de fond. Il a ce don de dire, mais peut-être que j'irai pas, finalement, là, si c'est pas ce que je veux. Il laisse planer ces doutes-là. On va passer 3-4 jours à se poser la question, qu'est-ce qu'il fera? Oui, tout à fait. Et parce que là, il cherche un momentum. Il cherche à faire parler de lui. Et là, on est en train de parler de ça quand, en théorie, on avait déjà réglé le dossier. Même le camp Harris, qui là essaie de changer les règles du jeu, c'est pas nécessairement peut-être la bonne chose à faire si on veut avoir cette garantie de débat le 10 septembre prochain. Mais Trump a ajouté aussi sur son réseau Truth Social dans les derniers jours, de toute façon, pourquoi est-ce que je devrais débattre contre Harris? Hein? Il l'a dit par le passé, ça aussi. Il dit, le réseau ABC News, de toute façon, c'est des gens qui sont des anti-Trump, qui sont pro-Harris. Il y a des amis de Kamala Harris à la tête du réseau. Pourquoi est-ce que je devrais faire ça? On devrait le faire sur un autre réseau. Alors ça, c'est un élément supplémentaire qu'il répète souvent. On devrait le faire sur le réseau Fox News. Mais on s'entend encore une fois, en déjà entendu sur le réseau qui va gérer le débat. C'est le 10 septembre, c'est pas non plus dans 2 mois, hein. Non, c'est déjà organisé, non. Tout ça. Et le camp Harris réplique avec la chose suivante, parce qu'on est plus dans les, disons, les coups bas ou arrogants dans cette campagne. On met le petit émoticône de poulet pour dire que Donald Trump est une poule mouillée et qu'il a peur de débattre face à Kamala Harris. On a même fait des publicités qui sont sorties hier à ce sujet, donc on essaie encore une fois de piquer l'ancien président, peut-être dans son égo, pour qu'il décide de participer. Ouais. Et il y a toujours le dossier des poursuites judiciaires qui pendent au bout du nez de Trump. Et là, on comprend que c'est tout le dossier des documents secrets, ce qui avait été écarté par un tribunal inférieur. Mais là, maintenant, on porte ça en appel, on veut raviver ça. Donc, ça pourrait revenir, ça, le dossier des accusations qu'il ait eu en sa possession des documents secrets qu'il ne devait pas avoir. Oui, tout à fait. Puis l'homme qu'on vient de voir, c'est Jack Smith, le procureur spécial dans ce dossier, qui a été nommé par Merrick Garland, le procureur général des États-Unis. Et on disait justement, pour abandonner les accusations qui étaient en Floride, c'était que Jack Smith n'avait pas été nommé dans les règles de l'art selon la Constitution. Et c'est pour ça qu'on abandonnait les poursuites. Jack Smith, ce qu'il a dit finalement, si je résume très rapidement à la Cour d'appel, c'est, écoutez, c'est comme si on avait ignoré des années de précédent parce que c'est pas le premier cas où on nomme un procureur spécial dans un cas comme celui-ci, dans un cas délicat. Il y a des précédents et ils sont nombreux. Et c'est comme si on avait ignoré tout ça. Alors, il va en cour d'appel. Peut-être que ça ira où? En cour suprême. Vous le savez, des dossiers chauds, ça se rend en cour suprême. Ce qui veut dire, encore une fois, qu'il n'y aura pas de procès, peu importe les mesures prises par Jack Smith. Avant l'élection, on a eu ce procès à New York, mais ça devrait rester comme ça. Ça ira après l'élection. Là, on verra si ce sera face à un ancien candidat ou un futur président. Voilà, ça aussi, là, ça fait partie des considérations. Bon, très bien. Merci beaucoup, Valérie. Au revoir. Merci. À bientôt. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.